Amen, peuple saint. Avant toute chose, je voulais dire merci à mon Père pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde ce soir. Et je bénis Dieu pour cela. Je n'ai pas oublié les hommes de Dieu ainsi que les servantes. Je crois en Dieu. Je crois votre appel. Et je crois votre ministère. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, peuple saint. Amen, Église de Dieu. Notre Dieu merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Le thème de mon message, l'audace d'espérer. Audace, c'est ça le cola, courage, mon pikiliki yakolikia. Alléluia. L'audace d'espérer. Kozana mon pikiliki yakolikia. Le mot audace, le ba auto bengi mon pikiliki, est une disposition, c'est ça le lenge ya kozala, qui porte à des actions, ozo tika moto asala misala, difficile, ya passe. Dangereuse, au mépris des obstacles ou des réalités. Amen, Église de Dieu. Amen. Espérance, Elikia, sentiment qui fait entrevoir comme, comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Alléluia. L'audace d'espérer. Donc espérer kolikia là où il n'y a pas d'espoir. Et si ka elikia ezate, qu'il peut y avoir une guérison. Et qu'un enfant peut sortir de ce corps. Alléluia. Amen, Église de Dieu. Amen, Église de Dieu. La Bible nous parle de cette femme aux pertes de sang. Tob parle de l'hémorragie. Alléluia. Amen. C'est une histoire qui est rare dans ce monde. Elle est née comme toutes les filles dans une famille modeste et normale. 5 ans, 10 ans, 12 ans, 14, 15 ans, elle commence à avoir ses cycles mensuels normalement comme toute personne. Elle devient adulte, elle rentre dans un mariage, elle commence à avoir des enfants, tout s'est passé normalement, jusqu'à ce qu'elle va atteindre 28 ans. Qui nous m'a comme on a 28 ans. Un jour, elle voit ses cycles mensuels. Comme d'habitude, elle s'attendait. Dans 3, 4, 5 jours, ça va partir. La chose de 3, 4 jours devient une semaine. 10 jours, 15 jours, 30 jours. Sans amoko. Un mois. Sans amoko. Deux mois. Mibale. Trois mois. Misato. Quatre mois. Minei. Une année. Mbula moko. Deux ans. Mibale. Trois ans. Misato. Quatre Minei. Ans. Cinq ans. Mitano. Dix ans. Zomi. Douze ans. Zomi mibale. Ça devient anormal. Et comme il se souvient. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Qui peut supporter ça? Na koyi ko supporter makamboyo. La vie nous réserve des imprévus. Cette femme avait un mari. Elle avait de la famille. Elle avait des tantes, oncles, ainsi de suite. Elle avait des amis, elle avait des collègues. Mais d'un coup, la vie s'arrête. Alléluia. Amen. Parce qu'en Israël, une telle femme, elle est considérée comme quelqu'un qui a de la lèpre. Alors si vous avez de la lèpre, on vous met hors du village, hors de la ville. En quelque sorte,
On vous considère plus comme si vous êtes morte ou vous êtes perdu. Bandeko, troba été pona yo penza za lokoneti motozu a kufi na ye to mwa motoza sto bomo ite. On ne peut plus compter sur vous. Ba koiko tiela osu elikete ko motema. On ne peut plus être en contact avec d'autres personnes. Oriwi kozana ba to mususu bo ite. Pour éviter la contamination. Sonote yo pe ko pensa bango maladi na yo wana. Vous êtes devenu impur. Lorsqu'une personne s'approche à côté de vous pour vous demander ne fût-ce qu'une question, une adresse pour se rendre quelque part, vous devez vous-même crier impire, impire, impire. Alléluia. Si vous ne criez pas, si vous ne signalez pas que vous êtes impire et que les gens s'approchent, remarquez cela. En tout cas, on peut vous lapider. Et cette femme va vivre cette vie. 6 mois, 1 année. 2 ans, 5 ans. Qui peut supporter ça? Alléluia, Église de Dieu. Amen. Alléluia, peuple saint. C'est une situation difficile à vivre. Une imprévie. Un contretemps. Qui rentre dans sa vie. D'un coup, elle est séparée de ses enfants. Elle est séparée de son mari. Séparée de sa famille. Si elle travaille, elle doit rompre. Interrompre son travail. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Je suis très triste. Lorsqu'il y a 2 semaines, King Express m'a dit que non, notre sœur Marie, la chanteuse, Nana Lukezu. Nana Mawa, King Express a dit que Nana Lukezu. D'un coup, elle a une chaise roulante. Cette sœur, elle est paralysée d'un côté. Elle ne peut plus marcher comme tout le monde. Je pense à ses enfants. Je pense à son mari. Comment elle va vivre? Honnêtement, selon les médecins, si Dieu n'intervient pas, elle est restée comme ça toute sa vie. Bien-aimé, qui peut vivre ça? Qui peut accepter de telles choses? Alors cette femme a vécu cette situation. Alléluia, Église de Dieu. La Bible dit, elle changeait de médecin. Exactement avant que de l'industrie numéro 1. Ce n'est pas qu'elle habitait que l'industrie numéro 1. Deuxième médecin que de l'industrie numéro 2 ou 3. Non. C'est-à-dire, les commentateurs disent qu'elle arrivait même à voyager de ville en ville. Spécialiste en médecine interne à Liège. Aussi un spécialiste dans la médecine interne à Liège. Pas, elle va à Liège. Oh, monsieur Mokobo, attends, à Portugal, à Utikoya. Un spécialiste qui vient du Portugal, il vient d'arriver au stade. 3 semaines il y a traitement. Bandeko, 3 semaines de traitement. Rien du tout. Et l'autre côté, pas de résultat. Une maman, elle, c'est traditionnelle. Elle est passe sa maman trois mois. Rien du tout. Et l'autre côté, la Bible dit, ce qui est plus grave, son cas ne s'améliorait pas. Son état s'empirait jour au jour. Amen, Église de Dieu. Amen. Donc imaginez en 12 ans, si elle avait 90 kilos, elle pouvait avoir maintenant combien de kilos, la question. Alléluia. Amen. Donc par semaine, elle perdait combien de kilos? Alléluia. Donc c'est-à-dire, vous ne pouvez plus la reconnaître. Alléluia. Amen. Amen, Église de Dieu. Mais ce que j'aime chez cette femme, honnêtement, je l'appelle une femme exceptionnelle. Elle a changé l'histoire de sa vie. Amen, Église de Dieu. Amen. Elle a changé la négativité en positivité. Elle sort d'une famille ordinaire. Mais elle est devenue exceptionnelle. Pas à cause de sa maladie, mais la façon dont
Elle a procédé à obtenir cette guérison. C'est la raison pour laquelle la Bible en parle. Amen, Église de Dieu. Amen. Amen, peuple saint. Amen. L'audace d'espérer. Alléluia. Elle a espéré. Là où tout le monde l'avait abandonné. Là où tout le monde l'avait rejeté. Là où tout le monde l'avait oublié. Là où tout le monde l'avait enterré. Amen, Église de Dieu. Amen. Quelle situation qui t'entoure aujourd'hui? Quelle situation que tu traverses? Quelle maladie qui ronge ta vie? Quelle montagne, quel Goliath se place devant toi? L'audace d'espérer. L'audace d'espérer. L'audace d'espérer. La Bible dit ceci. Jésus partait pour la fille de Jairus. Cette fille aussi avait 12 ans. Cette femme aussi avait 12 ans. Quelle coïncidence. Hallelujah. Amen. Jésus partait vers la maison de Jairus. Yesu abanane ko kende epai ya Jairus. Si Jésus ne rentre pas dans ton programme, tu peux l'arrêter et le faire entrer dans ton programme. Yes. Si dans ta famille, il n'y a pas des hommes de Dieu, tu peux arracher cette bénédiction-là. Si dans ta famille, il n'y a pas de mariage, tu peux prendre cette bénédiction. Si dans ta famille, il n'y a pas de millionnaire, tu peux prendre cette bénédiction. Parce que cette femme n'était pas dans l'agenda de Jésus. Elle n'était pas dans le planning de Jésus. Jésus partait dans la direction de Jairus. Jésus était concentré pour la fille de Jairus. Mais Jean dit ceci. Jésus dit ceci. Depuis Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Le royaume appartient aux violents. L'audace d'espérer. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, alléluia, il est impossible de lui être agréable. Cette femme était abandonnée. Elle était rejetée. Personne ne croyait en elle. Sa situation était grave. Aucun médecin ne pouvait la guérir. Aucun sorcier, aucun magicien ne pouvait donner satisfaction à son problème. Mais elle avait l'espoir en elle. Elle avait l'espérance. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Même si on me rejette, même si on m'abandonne, mais il y a l'espoir en moi que je guérirai de cette maladie. Qui peut croire en ça? Même les cancers, à ta cancer, même les sida, à ta sida, Dieu guérit. Zambazo bikisa, Dieu donne les enfants. Zambazo pesabana, Dieu élève. Zambazo neto la bato, il ramasse les pauvres. Azolo kota babola, il leur donne de la valeur, de l'importance. Dieu est capable. Zambazo makoki. Cette femme a changé l'histoire de sa vie. Abongo la kili solo abongo. Il a arrêté Jésus. Akanga ki Yesu. Il n'était pas dans le programme de Jésus. Azana bongsa Yesu. Mais Jésus est rentré dans son programme. Yesu akota ki bongsa Yesu. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia, Église de Dieu. Elle n'est pas rentrée dans les méthodes protocolaires. Alléluia. Amen. Tu dois voir l'évangéliste Makengo. Il doit t'introduire auprès du pasteur. Waya. Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Elle a utilisé des méthodes braconiennes. Hors normes. Elle n'avait qu'une pensée en elle. Si je peux toucher. Nous avons besoin de cette petite pensée-là. Alléluia, Église de Dieu.
Ne voyez pas seulement David comme il va aller mourir. Il ne reviendra pas. Non, voyez de bonnes choses. La Bible dit tout ce qui est noble, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est louable, soit l'objet de vos pensées. Ne pensez pas toujours négativement. Ne voyez pas toujours la mort. Ne voyez pas toujours la négativité. Ne voyez pas toujours la déception. Ne voyez pas toujours la sorcellerie partout. Voyez la gloire de Dieu. Voyez la guérison de Dieu. Voyez la délivrance de Dieu. La force d'espérer. Alléluia, Christ de Dieu. Barack Obama dit ceci. Barack Obama le biboye. Oui, je ne peux pas m'en passer de la politique. Ah, politique nangai, aïe. Nous sommes familiers. Tomesana. Barack Obama va consulter 25 personnes. Barack Obama a quelques soldats bateau. Tout le monde est en donc l'un après l'autre. Moi, croyais, avant de poser sa candidature aux élections primaires démocrates. Yamboye benda a qu'un négociant comme on a répété, va voter une réboyebi suite. Sur 23, sur 25 personnes. Nabato 25 oyo agene goswana bango. Mama, 23 personnes ba ibisie ba lobi yote. Bato penda tukumi benem so ba ibisie pas toi. D'abord komo wana Hussein Barack Obama. Tala komo na yo Barack Obama. C'est pas américain. Ndeko nangai ozali moindo. Ils ont commencé à décortiquer son nom. Bandeko bakomi ko fungola sikoyo komo na ye. Ils ont commencé à lui donner des explications. Bakomi ko bizali tala kuto uta na Afrique. Alléluia. Oh yes. On dirigeait un grand pays, une grande seulement nation. Seulement deux personnes. Kaka Batumi Balé. Qui l'ont encouragé. Balobaki naye ah. Un sénateur. Sénateur moko. Et une personne normale. Namoto moko pe boya normal. Michel Obama. Michel Obama. Alléluia. Amen. Qui l'ont encouragé. Kaka Batumi Balé sur 20, 25. Non, vas-y. Kende yeko simba. Alléluia. Alléluia. Au moment où les autres les décourageaient. Mais tu es un mec bien, tu es intelligent. Mais pourquoi tu vas te mêler d'un truc sale, la politique? Politique. Alléluia. On te voit bien comme assistant social. Tu es un brillant avocat. Tu peux défendre les pauvres. Mais la présidence. USA. USA. Alléluia. United States of America. Barack Obama. Merci Barack Obama. Espérait. Avec l'audace. Azaki na quel possible peut devenir possible. Normalement la moitié c'est 12 et demi. Même 7 ou 5 personnes ne l'encourageaient pas. Attends un quart, attends un cinquième. Waya. Alléluia. Ma kambwa vina yo kolobela kabatunyo so te. Sosola. Est-ce qu'elle a le bito comme un hypocrite? J'ai dit qu'on doit cacher aux abats milieu bon bité. Et ça, la moutou et bissier rêve na yo a découragé. D'autres personnes, tu viens lui parler de tes ambitions. Oh, laisse tomber. Depuis ton nom. Action va prévenir. Te montre toutes les preuves possibles. Qui prouve que tu ne pourras pas d'entrer dans ces mariages. De servir l'église. De servir cette église. Oh, accéder dans rang wana. Accéder dans ses rangs. Alléluia, Christ de Dieu. Kolobaganyo sauté. Tout n'est pas bon à dire. Alléluia. Amen. Si cette femme allait dire aux disciples de Jésus, aux apôtres, bande koso ki mosi o akina koso lana ba yekolia Yesu. Introduire vers Jésus. Ba mema e pa Yesu. Ah, vieux Pierre. Ndeko nanga bino bo yekaka. Muto a comportement mbeli ko bima pamba. Vieux pendal nyaka penga na ye. Yana yo na ba kila na wana yo. 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 Empire. Yo, mbindo. Alléluia. Amen. Mais cette femme a utilisé son courage. Elle a utilisé la sagesse. Elle a osé de faire quelque chose d'inhabituel. Alléluia, Christ de Dieu. Pour obtenir sa guérison. Alléluia. Amen. Pour obtenir ce que tu veux. Mon frère, ma soeur. La Bible dit ceci. C'est la fin qui justifie les moyens. Tu peux emprunter n'importe
quel chemin. L'essentiel que tu arrives à Rome. Elle voulait atteindre son objectif. Elle voulait la guérison. Voilà pourquoi elle ne va pas demander la permission. Dans le protocole. Pour qu'on puisse l'introduire officiellement à côté de Jésus. Amen, Christ de Dieu. Amen. L'essentiel est d'arriver à Rome. Tu peux prendre le bateau. Tu peux prendre l'avion. Pourquoi tu peux convoiturage? Tu peux aussi aller en covoiturage malgré les heures. Message n'a pas été. Bah, Othéo. Oh, aloba qui boit la route. Non, bosso sur la route, zambazali koloba. Tosso sur la bisounyosa. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Amen, peuple saint. Alors cette femme, moi si oyo, va espérer. Acolikia. La Bible dit ceci dans Romains 4, à partir du verset 18, que Abraham espéra contre espérance. Abraham a dit qu'il y wana bato nyoso bazoba na ya te tika na yo kaka. Il n'y avait aucun signal. Lumière, espoir, il n'y avait pas de lumière, quelque chose la Bible qui pouvait dit les... qu'il avait plus de 100 ans. Bande quoi bien, akoma kina mbula kama. Usé. Zoto pende kwa ki mokolo. Il ne pouvait plus avoir des enfants. Akoka ki su kobota te. La Bible dit il espéra. Bible te kasi kati na ye. Contre espérance. Eli ki ezala ki était atala ko mbo aussi. L'espérance. Ateli ki a et découragé Abraham. A découragé Abraham. La Bible dit contre espérance. Donc c'est-à-dire a eu espérance. Donc, à bêtise espérance, vous tournez espérance. Alléluia. Contre espérance. Alléluia. Bon, c'est cela. Amen, Christ de Dieu. Amen. Il faut être fou. Pour faire de telles choses. C'est comme si un médecin te dit non, tu ne seras pas guéri. Mais toi tu le contredis. C'est ça l'espérance. Amen, Christ de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En quelque sorte, notre Dieu marche ou fonctionne avec des fous. Au lieu de marcher comme ça, dans le monde de Dieu, il faut marcher comme ça. Alléluia. Mais ni t'étais cela, Abraham ne pouvait pas avoir des enfants. Dans le livre des Hébreux, toujours. Hébreux 11. Tu peux nous lire, bien-aimé. Hébreux 11. Je lis en nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen, l'Église de Dieu. La Bible dit Sarah elle-même crut que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Tôt ou tard. Voilà pourquoi Habakkuk dit c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Amen, l'Église de Dieu. Le monde de Dieu, c'est un monde de la foi. Sans la foi, il est impossible. Moi-même qui vous parle devant vous, vous connaissez ma situation. Lorsque j'ai introduit ma demande d'asile, le même jour, on m'a donné le négatif. J'ai attendu 10 ans pour avoir une carte d'identité. La carte d'orange, je ne connais pas. Carte orange, n'a bien côté. Alléluia. Amen. Ma photo n'a été nulle part. La seule chose que je sais, à chaque fois j'appelais à l'office des étrangers, on me disait que monsieur, votre dossier dans les archives, il faut redemander l'asile. À moins que le français ne puisse pas être Donc, alléluia. Oh, yeah. Il fallait redemander. Faire une nouvelle demande. Avocat n'a pas notre avocat nous a dit ceci. Ton dossier est oublié, est mis de côté, oublié. En Belgique, tu n'auras jamais de papiers.
Les gens qui ont besoin d'avoir des papiers, c'est ta femme ainsi que tes enfants. Toi, comme tu es là, jusqu'à ce que ta femme ait d'avoir des papiers, peut-être par leur canal. Si on essaie de tout faire pour. Oh, tu vas tout gâter, tu vas tout abîmer, tu vas tout. Donc, Natambola, je me promenais. J'ai mangé, mais tu es comme un mort. Belgique a ébioté. Tu es. Alléluia. 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 Mais regarde comment Dieu fait les choses. L'office des étrangers va m'écrire une lettre. Office des étrangers en commune à Mukanda. Après 10 ans. Monsieur, on vous a envoyé la réponse à la commune. Batindelio réponse na commune. L'avocate m'appelle. Avocate Abenginga. Moi je me fâche. Na la siliki. Na la zozé la Mukanda. Moi j'attends les papiers. Bongo si kuba okomina na la commune pourquoi? Ils disent que je dois aller à la commune. Pourquoi? Pona nini ba pesinga ta chance tenga na bango boy. Pourquoi est-ce qu'on m'a donné une occasion qu'on puisse se voir, se parler? Alors, non monsieur, c'est pas grave. Monsieur ça est l'angle de côté. Va prendre, on va introduire les recours. Avocat c'est pas moi qui dois se rendre là-bas parce que va préciser qu'il faut yozo. Avocat a dit dans la lettre, il est précisé que si l'avocat, c'est toi l'avocat ne peut pas se rendre. Soit avocat qui doit se rendre. C'est ordre de quitter. Alléluia. Amen. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia, Église de Dieu. L'avocat a refusé de partir. Elle m'a dit, toi va prendre les documents, après moi je vais faire entrer un recours. Comme je savais que c'était des choses pas importantes, inutiles, je savais que ce n'était pas bien pour moi, je laissais tomber, je laissais passer. J'attendais seulement le jour où ma femme sera acceptée, mes enfants, maman, papa, et le papa fera son apparition. Mais le Dieu du ciel avait changé les choses. Les calculs de Dieu dépassent les calculs des hommes. Lorsque je me rends à la commune, tant qu'on a la commune avec ma charmante épouse, premier jour, il n'y a pas. On ne trouve pas ces papiers ou ces documents. J'ai appelé mon avocat pour lui dire. Attends 2 semaines. J'ai là-bas pour son balai. 2 semaines, on se rend là-bas. C'est ma pour son balai toqué sur Kuna. Mukanda est zaté. Le document ou les papiers qu'on attendait n'est pas là. Ou la lettre. J'ai dit, mais non, c'est pas vrai. De Héros Salématé. Même si Moutouana, mais la moine, comment on a affaire. J'ai dit, parce que j'ai vu mon nom. Oh, monsieur, mais il n'y a pas votre nom. Non, 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 regarde, j'ai vu mon nom. Lorsque je regarde. Tango Atali. Elle regarde bien. Atali Malamu. Il voit mon nom. Amoni Komonanga. Avec. Autorisation de séjour définitif. Na autorisation à séjour ya libela. Le monsieur qui n'a jamais connu même la carte d'orange. Bandeko motoyo atamulaka na papier mapa. Même l'avocat a dit ceci. Oh, l'avocat le biboyé. Non, ça il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oh, Nzambe na kosa mama boyé. Amen, Église de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Bobele Nzambe kosa mama boyé. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Bobele Nzambe kosa mama boyé. Lelo la comme belge. Aujourd'hui maintenant comme je vous parle. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen, Église de Dieu. Espérons contre toute espérance. J'ai dit à ma femme, allons-y au Canada. Ne dis pas Mousé Richard. Quoi, Mousé Richard. Ma femme m'a dit non. Moi, c'est habité. Si tu veux aller au Canada, tu peux aller seul. Mais je sais une chose. J'étais à l'église. J'étais à l'église. Quand on parlait, tu resteras ici. Tu auras des enfants. Tu auras des enfants, des papiers. Amen, Église de Dieu. Alléluia. Amen, Église de Dieu. Il faut rester où vous embarquez avec des hommes, des femmes qui peuvent vous encourager. Qui peuvent vous rappeler des promesses. Amen, Église de Dieu. Amen. Amen, peuple saint. L'audace d'espérer. Quel est ton problème ce soir? Quelle est ta situation ce soir? Mon frère, ma soeur, je te dis que Dieu est capable de faire. Le Dieu que nous servons, il est capable de résoudre ton problème, de guérir ta maladie. Il donne les mariages, il donne les enfants, il donne des promotions, il renverse les forteresses. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu crédible. Il peut le faire pour ta famille, pour tes enfants, pour ta destinée. C'est quoi ton problème?
C'est la maladie. Bonkono. Les papiers. Mikanda. C'est quoi ton problème? Ni etukisayo. L'argent. Mosolo. Maison. Na. Notre Dieu donne. Même sans argent, il peut t'acheter des maisons. Même un avion, il peut te donner. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce qu'il est unique dans son genre. Alléluia. Amen. C'est quoi ton problème, frère? La Bible dit, or, sans la foi. Sans la foi. Laisse tomber. Jésus dit à cette femme. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 5, verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit, toute la vérité. Mais Jésus lui dit, 34, oui, pardon. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et sois guéri de ton mal. Amen, peuple saint. Amen. Jésus dit, ma fille, yes, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Amen. Oh, bah, pasteur, bah, silangouya. Oh, le pasteur, oh, bah, pasteur, le pso, bah, incapable. Les pasteurs sont incapables. Yondo, lobiango. C'est toi qui le dis. Amen. Amen. Moi, je te dirai, les pasteurs, bah, capables. Les pasteurs sont capables. Ils ont la puissance. Toi, tu n'as pas la foi. Samba, pasteur, non, kosala. Alléluia. Amen, Église de Dieu. Amen. On ne dit pas que ton pasteur t'a sauvé. Ton évangéliste t'a sauvé. Ton ancien t'a sauvé. Shekinah t'a sauvé. On dit ta foi. Alléluia. Amen. Le monde de Dieu, c'est le monde de la foi. La Bible dit, or sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ta foi t'a sauvé. Amen, l'Église de Dieu. L'Église ne sauve pas. Église de Dieu. Ta foi. Yes. Ce que tu crois. Jésus dit à Marie, à Marthe, yes, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'impossible peut devenir possible. Alléluia. Même les dimanches, les facteurs peuvent passer chez toi. Dieu peut faire ça. Même si tu es dans les négatifs, négatif. Un ange peut passer dans ton compte. Dieu peut faire ça. Oh, et comme positif. Le Dieu de Shekinah capable. Mon frère, ma soeur, ce soir, je vais pour booster ta foi. Oh, sans la foi, tu n'entreras pas dans les mariages. Tu n'auras pas de jumeaux. Or, sans la foi, tu ne peux pas accéder au rang supérieur. Sans la foi, c'est la médiocrité. La maladie et la déception. Tu vas changer d'église en église. Mais je te suggère de rester à Shekinah. Nzamba Zaliawa. Dieu est ici. Nzamba Zaliawa. Dieu est ici. Nzamba Zaliawa. Dieu est ici. Asalaka. Il agit. Apotisaka. Et il fait. Apesaka. Il donne des enfants, de l'argent. Alléluia. Il est capable. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia, Lingoma Nzambe. Nzamba Yokaka. Dieu entend la prière. Nzamba Yokaka. Dieu entend notre prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Invite les amis qui. Mes défis sont rentrés à l'internet. Ils ont commencé à chercher une maison. Maison avec jardin. Na jardin. Avec piscine. Na piscine. Pour acheter. Pour osomba. Papa mbongote. Papa, pas d'argent. Maman mbongote. Papa n'a pas, maman n'a pas d'argent. Même un franc n'a pas d'argent. Même un franc, j'ai pas. N'a pas fiché la Banque Nationale. Je suis fiché. Mon frère, ma soeur. Plutôt. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu est venu chez moi. Il m'a dit ceci. Je sens que tu vas avoir une maison. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Dieu me dit que tu auras une maison. Je monte, j'en parle à ma femme. Mais je dis à cet homme de Dieu que je n'ai pas compris. Ça fait 2 semaines. Mes filles cherchent une maison à l'internet. Alléluia. Amen.
On vient ici à l'église. Tu es dans l'église. L'homme de Dieu qui est venu du Canada. On est du Canada. Le pasteur Lazarus. Oui. Lazare. Il nous dit de faire une offrande pour l'homme de Dieu. Lorsqu'on se pointe ici devant, il nous dit beaucoup de vous veulent s'acheter une maison. Mais Dieu va s'en occuper. Dieu va faire. Mes frères, mes sœurs, je n'ai pas acheté une maison. Mais je vis dans une villa. La sommité. Je n'ai pas acheté. Au nom de Jésus. Avec jardin. Na jardin. Ah, pas de soucis. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Moïse a s'entraîné. Moïse a 24. Moïse a s'entraîné. Eliot peut s'entraîner. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, l'église de Dieu. Amen, notre Dieu peut faire. Il est capable. Azala makoki. Il est capable. Azala makoki. Il est puissant. Azala mbuya. Mais crois seulement. Mais yo ni makaka. Crois seulement. Ni makaka. Cette maladie peut disparaître. Nous étions en Suisse. Tozaki na Suisse. En l'an 2000. Na l'an 2000. J'étais au travail. Ma grande sœur m'appelle. Yana m'appelle. Abenga. Beaucoup des appels. Abenga malamingi. J'ai fini par là. Suka ngai na yazuye. Non, je vais finir par là. Non, ça va. Donnez-moi 2 minutes seulement. Opi ngai 2 minutes. Je commence à voir père appeler. Nabandiko banga. J'arrive. Nakomi. Je dis qu'est-ce qui se passe. Nabini Yerusalem. Elle m'invite dans un restaurant. Abenga na restaurant. Elle commence à me donner le testament. Abenga banga testament. Comment elle va mourir? Denia kufa. Comment elle m'a laissé les enfants? Denia tsikelinga bana. Pourquoi? Pwanini. Parce que. Pwete. Les médecins ont trouvé le cancer. Cancer dans son corps. Mais au moment où je vous parle. Natango na mabino oyo. Ma sœur elle est guérie. Abiki. Elle n'a pas le cancer. Azawa cancer te. Ça fait 20 ans. 21 ans yo. Elle est là. Azawana. Avec les enfants. Nabana pe normal. Je l'avais dit ceci. Je l'ai regardé en face. Natale na misu. Okoku fate. Tu ne mourras pas. D'ailleurs. Nakoleka. Je ne suis pas encore prêt. Dépend de la responsabilité de tes enfants. Parce que toi, tu ne mourras pas. Mais au moment où je vous parle, elle est vivante. Elle voyage. Elle travaille. Elle fait ses affaires. Notre Dieu est capable. C'est quoi ton problème ce soir? Nguyana Nzambe Zaliawa. La puissance de Dieu est ici. Pour te guérir. Pour te sauver. Pour te transformer. Quel est ton problème? Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Le mariage. Libala. Notre Dieu donne le mariage. Ah, d'ailleurs, il dit ceci. Si tu es correct alima, en toi-même, yomoko, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas se contredire. Il dit aussi dans ma maison, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. Dieu ne peut pas se contredire. À moins que tu aies des choses. Mais ce que tu as sincère, si tu es sincère, honnête avec toi, tu parles aux invités de Dieu. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu auras ce que tu cherches. Notre Dieu est capable. Mais il faut croire. Il faut voir la foi. Alléluia. Amen. L'audace d'espérer. Alléluia. L'audace d'espérer. Alléluia. L'audace d'espérer. Malgré ma blocage. Malgré les blocages. Malgré ma blocage. Malgré toutes les interdictions. Peu importe. Mais je crois. Que nous serons pas enterrés. Sans avoir les envies. Notre Dieu est vivant. Shekinah achètera. Pas seulement un bâtiment, mais Shekinah construira. Malgré le blocage, malgré la confusion, malgré l'humiliation, malgré ma solitude autour de toi, Dieu est fidèle. Zambé a quoi s'accater? Dieu reste fidèle. C'est quoi ton problème? Et là on dit tout qui ça yo? C'est quoi ta situation? Ni penza aux autres les qui s'en amattent au oyo. Oh yes. Yes.